Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser le fameux Drakkarmin, un nouveau Pokémon de la 5ème génération disponible dès aujourd'hui avec l'événement Descente de Dracospire qui a donc commencé aujourd'hui et se terminera le dimanche 12 décembre à 20h. Alors pendant cet événement, Drakkarmin sera donc rendu disponible et même directement disponible en Shiny. Un Shiny complètement dégueulasse, mesdames et messieurs, c'est terrible, retirez-moi ça de la vue. Bref, des Pokémon spéciaux seront dans la nature, dans les raids et dans les études. Alors, dans les trucs intéressants dans la nature, on a Otarien pour Lamantine, on a aussi Goupix pour Fenard, qui est aussi vachement intéressant en format super, Lamantine en format super aussi, Dracolosse en format master et même en raid un peu. Alors, Furfuré, tout ça, à la limite, on s'en bat les steaks. Darumaron, ça peut être assez intéressant pour les raids, hein, Darumacho. Et c'est à peu près tout dans les raids. Qu'est-ce qu'on a? On a Funessir, bien entendu, pour le fameux Lugulabre. On a aussi Drakkarmin, Dracolosse et même Loclas aussi, qui est ultra intéressant. À noter quand même que Drakkarmin, vous pourrez ne l'avoir, enfin, vous pourrez pas l'avoir en sauvage, vous pourrez l'avoir que dans les raids, mais aussi dans les études de terrain. Ouais, ils ont eu la flemme de mettre des images, mais en vrai, cet événement, c'est beaucoup de mini Draco qui sont intéressants et les types glace, mais aussi les deux types feu là qui sont quand même plutôt intéressant. On a aussi Reshiram et Zekrom dans les raids. Alors je crois qu'ils sont déjà disponibles dans les raids, mais bon, vous voyez un peu mon niveau d'actualité dans Pokémon Go. Bref, maintenant voyons un peu ce que vaut Drakkarmin dans Pokémon Go. Alors déjà, c'est un truc à noter, c'est un Pokémon de type dragon pur, ce qui mine de rien est assez rare pour un Pokémon évolué, puisque actuellement il n'existe que 3 Pokémon dans Pokémon Go de type dragon pur dans leur forme évoluée. Je pense bien entendu à Tranchonon, à Mouploducus, mais aussi à Drakkarmin. À côté de ça, vous pouvez aussi ajouter Arceus Dragon, Sylvalier Dragon et Regidraco dans les jeux consoles. Mais du coup, bah, vous voyez qu'au final, il n'y a que 6 Pokémon dans toute l'entièreté du jeu de type dragon pur dans leur forme évoluée. Alors, déjà, on l'oublie souvent, mais le type dragon, c'est très bon défensivement. J'ai écrit c'est mauvais, mais en fait, non, c'est plutôt pas mal défensivement quand même, avec 4 résistances aux 4 types élémentaires, ce qui en fait donc un assez bon contre au type feu, eau, plante et électrique, et même plus précisément aux starters. Après, on va pas se le cacher, hein, les starters ont tous des attaques de coverage, le pire étant bien entendu Dracofeu et son Dracosouffle et Dracogriffe super efficace sur le type dragon, car oui, comme le type spectre, le type dragon est faible à son propre type, une faiblesse chiante, mais en soi, vu que le dragon est aussi super efficace sur le type dragon, et bah ça s'annule un peu. On a aussi une faiblesse classe un peu chiante, mais pas si présente. Mais ce qui handicape beaucoup le type dragon, c'est bien entendu sa faiblesse fée avec des Pokémon présents et dans tous les formats comme Grodoudou, Melodelf, Togekiss ou Nymphali. Ce qui est d'autant plus chiant dans Pokémon Go car il n'y a qu'une seule attaque immédiate de type fée, Charme, qui est une attaque lente mais qui fait d'énormes dégâts. Et du coup, quand un dragon se pointe face à un type fée dans Pokémon Go, bah en gros, on se fait un peu déglinguer sans rien pouvoir faire. Et en plus de ça, on devient un peu un nid à farm l'énergie pour les Pokémon de type fée. Aussi, tout de même à savoir, mais le type dragon est offensivement quand même assez neutre, hein, car super efficace uniquement sur son propre type et malheureusement résisté par le type acier et même double résisté par le type fée. Au niveau de ses statistiques, alors quand même un truc à savoir, dans Pokémon Go, on croise surtout les dragons, les Pokémon dragons, dans les gros formats hyper, mais surtout en format master, pour la bonne et simple raison qu'ils ont de grosses statistiques, ce qui veut aussi dire qu'ils mettent plus de temps à se développer. Par exemple, là où un Azumarill à 1795 PC max aura quasi son plein potentiel en format 1500, parce qu'il a à peine 295 PC de plus que le format, enfin le maximum du format, et ben un Karchakrok à 4479 PC max, lui, il aura des stats complètement ridicules en format 1500 PC. Et bah pour le coup, c'est pas vraiment le cas de Drakkarmin, puisqu'il n'atteint
que 2732 PC Max sans bonbon L ou 3088 PC Max avec bonbon L, mais ça reste du bonus. On est donc sur un Dragon qui sera sans doute plus intéressant en format hyper, et spoiler alert, oui, il sera plus intéressant en format hyper. On note aussi des stats un peu plus tournées vers l'offensive, hein. 213, 170 et 184, clairement des stats défensives assez moyennes, moyennes mauvaises j'ai envie de dire, pour une attaque plutôt moyenne bonne. Au niveau de son attaque, justement, avec ses 213, il est actuellement 20e meilleur Pokémon Dragon, sans compter les Pokémon obscurs, mais en comptant les méga évolutions. Une attaque et même des statistiques très similaires à Libégon, hein, quand on regarde. Et ça nous donne un peu une idée du potentiel de Dracarmin, vu comment Libégon est peu joué. Après, quand même, attention, les deux n'ont pas du tout le même, le même move pool. Après, avec sa défense de 170, il termine 22e, mais meilleur Pokémon Dragon, sans compter les Pokémon obscurs, mais en comptant les méga évolutions, juste derrière le fameux Tranchodon. Et enfin, au niveau de son endurance, avec ses 184, il termine actuellement 22e meilleur Pokémon Dragon en comptant les méga évolutions, juste devant Tranchodon. On est donc sur des stats quand même assez moyennes, hein, pas extraordinaires, mais pas non plus à jeter, quoi. Et d'ailleurs, on note aussi une certaine similitude quand même avec Tranchodon au niveau de ses statistiques. Un Dracarmin, c'est littéralement un Tranchodon avec beaucoup moins d'attaques. Hein. Au niveau de leur défense, leur endurance 184 contre 183, au niveau de leur défense 170 contre 172, mais par contre au niveau de l'attaque 213 face à 284, il n'y a clairement pas photo. Et ce qui est quand même assez marrant aussi, c'est que les deux ont aussi un move pool assez similaire, même si malheureusement, Dracarmin, lui, il n'a pas accès à riposte en attaque immédiate. Et pourtant, c'est un peu l'attaque qui caractérise tant le fameux Tranchodon. Au niveau de ses attaques immédiates, Dracarmin, du coup, il a accès, alors je sais jamais, oui, voilà, c'est Morsure. Il a accès à Morsure et à Dracoqueu. Et en attaque chargée, il a accès à Dracogriffe, Tranche Nuit et Ultra Laser. Alors ici, hein, pas de doute, on va tout simplement le jouer avec Dracoqueu en attaque immédiate. Une attaque lente mais qui charge bien et fait de gros dégâts et qui est même aujourd'hui plutôt similaire à un Dracosouffle. Là où à l'époque c'était vraiment une attaque de chiasse, aujourd'hui bah, c'est jouable. Et il y a même certaines personnes qui préfèrent jouer Dracoqueu sur un Dracolosse plutôt que de le jouer avec Dracosouffle. À côté de ça, en attaque chargée, on va bientôt, bien entendu, lui mettre Draco Griffe, une attaque chargée quand même assez rapide, hein, 35 énergie pour 50 dégâts. Et en deuxième attaque chargée, en attaque chargée de coverage, j'ai envie de dire, on va lui mettre Tranche Nuit, une attaque aussi rapide que Draco Griffe pour autant de dégâts, hein, 35 énergie pour 50 dégâts, c'est exactement les mêmes, mais quand même avec en plus 12,5% de chance d'augmenter son attaque de 2 crans si vous ne vous appelez pas Rutra, bien entendu. Un move pool du coup très très loin d'être dégueu en vrai. Alors, c'est quand même un peu chiant pour le coup, car PV Poké, avec l'arrivée des formats hyper et master, majeur, classique, ne met plus à dispo que les rankings des formats en cours. Et met du coup, en gros, sa place avec tout ce move pool, Dracarmin, 280e meilleur Pokémon en format super, 187e meilleur Pokémon en format hyper, hein, je vous l'avais dit, son meilleur format, 204e meilleur Pokémon en format master sans bonbon L, et enfin 213e meilleur Pokémon en format master avec bonbon L. Du coup, bah oui, hein, au final, Dracarmin, ça reste quand même un Pokémon assez moyen. Malgré un move pool plutôt stylé en vrai, malheureusement, Dracarmin reste un Pokémon avec des stats qui ne se démarquent pas plus que ça, hein, des stats même assez équilibrées. On est entre 170 et 200, enfin, la différence n'est pas si énorme que ça comparé à un Tranchodon, par exemple, où là, clairement, on voit que son attaque se démarque de ouf. Et à côté de ça, on reste
sur un Pokémon avec un type assez neutre et tout ça, bah ça en fait tout simplement un Pokémon assez moyen et en plus, bah je le trouve personnellement assez moche, voilà, c'est totalement gratuit, mais vous avez mon avis sur ce Pokémon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, vous pouvez mettre sa mère, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, enfin, lien dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité, et sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, salut les amis.